Monsieur le maire, je ne vous veux pas de mal, je ne vous veux pas de mal et je vous souhaite longue vie. Vous venez de montrer ce que les Noiséens ne veulent plus entendre et votre résultat aux dernières municipales en est la confirmation. Ce n'est que de la mauvaise foi ce que vous venez de dire, monsieur le maire. Oui, mais il faut être précis. Oh, il faut être précis. Oui, je suis désolé. Oui, mais... Et alors, justement... Dommage que vous ne le soyez pas surtout. Oui, là vous devriez l'être, parce que c'est votre domaine de délégation, donc la moindre des choses, c'est de nous apporter une information. Bah, il me semblait, vous voyez, franchement, que... Et alors comme je n'ai pas, terminé sur mes questions, j'ai repris le tableau des effectifs annexé au dernier budget primitif, et là, dans la délibération qui nous est proposée, il n'y a aucune précision sur le grade exact... sur lequel le poste est créé. Oui, enfin... Je ne sais pas, grade de chef de... Grade de chef de service de police municipale. Ah ben non, écoutez, il faut être précis. Alors, soyez précis. C'est vous qui êtes l'exécutif, donc soyez précis. Il y a une réponse, c'est pas celle-là. Ah. Oh, ben on a raté. Oui, on a perdu. C'est bien dommage, monsieur Leclerc. Oui, non, ça mais montre je sais. Quand même un certain amateurisme dans la gestion. Ah, ben oui. Vous voulez savoir le grade, vous voulez savoir, voilà, s'il est A, s'il est C. J'aurais aimé que vous soyez aussi précis sur d'autres choses. Non, c'est pas la bonne réponse. C'est pas grave, c'est pas la bonne réponse, on reviendra en prochaine semaine. Non, parce que la délibération ne peut pas être votée en l'état. Si. Vous devez préciser, alors, chef de service de police municipale de classe normale, de classe supérieure, de classe exceptionnelle. C'est trois grades en catégorie B. Donc là, c'est lequel? C'est... normal. Ben oui. Le premier, elle est normale. C'est lequel? Ben j'en sais rien. Normal. Je vais vous dire que ce monsieur est tout à fait normal, mais que vous, vous êtes très exceptionnel, monsieur le fait. La moindre. Je vous demande d'amener la preuve, monsieur Lefebvre. Parce que le mensonge, ça suffit au bout d'un moment. Il y a une part de. Pas totale vérité de la part de mon collègue Jean-Paul Lefebvre. Voilà, il y reste donc une question. C'est M. Sarberon, je crois. Monsieur le maire, la question des rythmes scolaires traverse la vie politique de notre pays depuis septembre 2012. Vous avez commencé à vous emparer de cette question dès l'automne 2012, en affirmant publiquement dans cette même assemblée que vous étiez, entre guillemets, techniquement prête à appliquer la réforme. Confirmant les propos tenus par votre adjoint à l'enseignement au cours de la commission enseignement qui avait précédé ce conseil municipal. Certes, la question des rythmes scolaires telle qu'elle nous a été imposée pose des questions à plus d'un titre. Elle territorialise l'éducation avec ce que cela engendre d'inégalités. Elle transfère des charges et des compétences de l'État vers les communes dont les dotations et les aides publiques sont considérablement réduites et les aides incitatives qui l'accompagnent sont temporaires, ne permettant pas de pérenniser financièrement les dispositifs mis en place. Elle considère le temps de l'enfant de manière parcellaire et non dans sa globalité, en privilégiant le périscolaire avant de se préoccuper des contenus, méthodes, moyens et temps dédiés aux apprentissages. Les communes dans lesquelles elle a été mise en place établissent des constats assez négatifs, pour ne pas dire alarmants. Elle déplore les conséquences néfastes d'une réforme bâclée et inappropriée aux besoins et au rythme biologique des enfants. Cependant, cette réforme a le mérite d'avoir mis en débat la nécessité de revoir et d'aménager différemment les temps de l'enfant face aux effets de la semaine de 4 jours,
qui rend l'enseignement difficile et face au déséquilibre des périodes travaillées sur l'ensemble de l'année scolaire. Mais ce débat ne semble pas avoir eu lieu de manière constructive à Noisy-le-Sec, puisque vous en êtes au même point aujourd'hui qu'il y a 18 mois, à savoir uniquement techniquement près. En effet, après avoir proposé un questionnaire aux parents, aux agents, aux partenaires et aux enseignants au printemps 2013, vous avez tiré une première analyse en octobre dernier, débouchant sur des propositions. Ces propositions ont été rejetées par 19 conseils d'école sur 21. Ce résultat traduit objectivement qu'il y a eu un défaut méthodologique de votre part en vous privant d'une réelle réflexion préalable avec les partenaires. Depuis, vous avez réuni deux commissions d'enseignement en février et en mars avec des propositions toujours imprécises et inabouties, sans succès auprès des parents, agents et enseignants. Une réelle consultation repose sur autre chose qu'une multiplicité de rencontres où sont proposées des cases vides ou colorées. Cette réforme a connu quelques assouplissements issus du remaniement ministériel, ce qui vous amène aujourd'hui à formuler de nouvelles propositions à 7 semaines de la fin d'année scolaire. Il n'empêche qu'à ce jour, aucun des membres de la communauté éducative noisienne ne connaît les conditions précises de mise en place d'un dispositif pour la prochaine rentrée scolaire de septembre 2014. Monsieur le maire, depuis le début, vous n'avez entrepris aucune concertation qui aurait permis la construction de projets ayant du sens. Alors que des parents et des enseignants des écoles Carnot et Essienne-d'Orme vous ont soumis des projets expérimentaux, vous vous contentez d'appliquer à minima ce que l'on vous impose en proposant systématiquement de remplir des cases d'emploi du temps sans ne jamais aborder des aspects essentiels tels que le contenu, la formation, le lien avec l'école, la réorganisation de la pause méridienne. Vous semblez être dans l'attente d'une annulation de la réforme, d'un nouveau report, d'un autre assouplissement, mais sans vous y opposer ouvertement et politiquement, vous ne semblez pas avoir davantage l'ambition de construire un projet éducatif pour les enfants de notre ville. Les premiers à pâtir de cette posture seront les enfants. En effet, cet aménagement du temps de l'enfant doit être considéré avec intérêt, même s'il n'entre pas dans le cadre de la réforme, dans un cadre plus large de projet éducatif municipal. Seulement, depuis 2010, aucun projet de ce type n'a été élaboré avec tous les publics intéressés par la question de l'éducation. À partir de tous ces éléments, le groupe Rouge et Vert à gauche ensemble souhaiterait savoir si vous êtes favorable ou opposé à cette réforme. Si vous y êtes opposé, serez-vous aussi virulent et engagé que pour empêcher le passage du tramway? Si vous y êtes favorable, quel projet comptez-vous mettre en place à la rentrée 2014 et quelles démarches entreprenez-vous dès aujourd'hui pour en assurer la réussite et la qualité? Quelle différence faites-vous entre la maternelle et l'élémentaire? Quels sont les partenaires éducatifs ou mouvements d'éducation populaire que vous avez sollicités? Sur quelles activités, quelles fréquences, quels objectifs? Quelle formation préalable envisagez-vous pour les personnels, avec quelle projection sur l'avenir à moyen et à plus long terme? Quelle évaluation antérieure à la mise en place d'un dispositif avez-vous prévu pour pouvoir, à l'issue de la première année, évaluer la pertinence des projets ou l'inadaptation de certains autres? Quel budget précis et détaillé est prévu pour le matériel, les salaires des agents territoriaux, les prestataires éventuels, la formation, les activités, etc.? Les activités périscolaires seront-elles gratuites ou payantes? Allez-vous profiter de cet aménagement pour travailler sur le contenu éducatif de la pause méridienne, dont la qualité détermine en partie les conditions d'apprentissage des après-midi? Comment sera organisée l'utilisation des infrastructures culturelles et sportives de la ville? Voilà, monsieur le maire, les premières questions que les Noiséennes et les Noiséens se posent quand elles et ils sont intéressés par la qualité de l'offre éducative de notre commune. Merci de la précision de votre réponse. Monsieur, en vous apportant la réponse sur ce sujet des rythmes scolaires, je vous avoue ne pas très bien savoir si je dois m'adresser au conseiller municipal d'opposition, au directeur d'école ou au syndicaliste. Vous avez rappelé au début de votre question votre point de vue et le contexte politique de cette réforme des rythmes scolaires. Et en résumé, vous adressez une critique sévère de cette réforme en soulignant les inégalités entre les communes, le transfert de charges vers les communes tout en baissant les dotations de l'État, les aides incitatives temporaires de la part de l'État et une attention portée sur le périscolaire et non sur le contenu de la réforme. Heureusement que vous avez voté pour les politiques et le parti qui est au gouvernement qui sont les initiateurs de cette réforme. Sinon, quelle aurait été la virulence de vos critiques?
Permettez-moi de vous dire que vous récoltez la moisson de vos choix politiques et que vous devez les assumer, ce qui ne semble pas être pour vous très facile. J'aurais tendance à dire que vous voyez les choses de manière parfaitement déformée. La réforme est celle du Parti Socialiste, que vous avez soutenu, et pas celle de la mairie de Noisy-le-Sec. Vous l'avez voulu en votant pour vos amis, nous, pas. Elle nous est imposée. Nous critiquons la manière dont elle a été amenée, la méthode, bien loin effectivement de ce qui aurait dû être une vraie concertation initiale. Nous nous sommes républicains, respectueux des lois, et nous appliquerons ce décret en ayant pour souci celui des enfants noisiens. Que n'auriez-vous dit, chers collègues, si nous n'avions pas voulu appliquer d'autres lois ? Vous vous focalisez sur le périscolaire, qui ne représente qu'une infime partie de ce qui doit être réellement la réforme des rythmes scolaires. Permettez-moi de dire et redire que les mairies de France ne sont pas là pour faire le travail de réforme de l'éducation nationale que l'éducation nationale doit réaliser sur le fond. Sur cet aspect-là, nous pouvons tous rester sur notre faim. Ce que doit être le cœur de la réforme est strictement inconnu. La déformation récurrente de la réalité est ce qui vous anime. Nous en avons eu un vif aperçu lors des municipales récentes. Vous parlez des rejets des conseils d'école. Vous avez juste oublié de dire que ces rejets ne portaient pas sur les propositions de la municipalité, mais sur le fond de la réforme. Curieusement, alors que l'on nous parle de concertation et donc de participer et de donner son opinion, eh bien les conseils ont refusé de porter un avis sur les propositions, préférant demander le report de la réforme. En ce qui concerne le débat sur la réforme, ce sont les enseignants qui ne se sont pas saisis, en refusant systématiquement les propositions d'application et en espérant faire revenir le gouvernement sur sa décision. Ensuite, je veux réinsister là-dessus. Nous sommes sur une réforme du rythme scolaire qui porte avant tout sur l'organisation du temps. La municipalité n'a pas vocation à se prononcer sur le contenu pédagogique du temps de classe et l'étape reste un temps marginal du temps passé à l'école. 3 heures contre 24 heures d'enseignement. Alors que les plannings présentés en mars étaient aboutis, validés par la commission enseignement, avec la mobilisation des services et des partenaires associatifs, le gouvernement a fait ses annonces en avril, pendant les vacances scolaires, sur des aménagements possibles. La reformulation des propositions a été rendue opportune par les annonces d'assouplissement qui permettaient des propositions de planning plus intéressantes. Ce décret précisant les assouplissements date du 7 mai. J'ai bien dit le 7 mai. Cela fait exactement 7 jours que le gouvernement a introduit une nouvelle donne qui ne fait que remettre l'ensemble des équipes à nouveau au travail, elles et les élus qui ont déjà passé des centaines d'heures à travailler sur une réforme dont la méthode et les revirements sont ubuesques. Avec ce nouvel assouplissement, le gouvernement ne laisse cette fois-ci qu'un mois, jusqu'au 6 juin, aux municipalités pour mettre en œuvre la réforme et indiquer aux DAZEN leur choix. Les conseils d'école doivent d'ailleurs valider le scénario dérogatoire proposé par la municipalité avant cette date du 6 juin. Les municipalités ne sont pas responsables de ces aménagements gouvernementaux, de ces volte-face permanents. J'aimerais bien savoir ce qu'a coûté à la France ces millions d'heures de travail des administratifs, des élus, des partenaires. C'est tout simplement délirant à un moment où la rigueur est demandée aux collectivités locales en baissant leur dotation. Quatrième point et pas les moindres. Il n'y a pas eu de concertation, dites-vous. Monsieur Sarabérousse, mesdames, messieurs les élus de votre groupe, vous n'êtes pas sérieux. La concertation n'a jamais cessé. Puisque votre mémoire flanche, voici un rappel de ce qui s'impose. 6 commissions enseignement portant sur les rythmes scolaires se sont déroulées. Février 2013, 6 juin 2013, 15 octobre 2013, 4 mars 2014, 13 mai 2014. Et pour ces deux dernières commissions, je ne vous y ai pas vu. Alors c'est pratique de ne pas participer à des réunions puis de dire qu'il n'y a pas eu de concertation. J'en profite d'ailleurs pour remercier Mme Béo, qui a toujours été constructive dans les différentes réunions, et notamment mardi. Les réponses à toutes vos questions ont été apportées, notamment lors de cette dernière réunion des commissions d'enseignement de mardi. De plus, les agents de la ville ont été rencontrés à plusieurs reprises, en octobre 2013, en janvier, en février, en mars 2014.
Les directeurs, enseignants, parents d'élèves ont été rencontrés à maintes reprises par M. Benahim entre les commissions enseignement. Juin 2013, novembre 2013, février 2014, mai 2014. Et sans parler de la multitude d'échanges directs avec les associations de parents d'élèves et les enseignants. Et au cas où vous l'auriez oublié, juste vous rappeler que les parents d'élèves ont été près de 2000 à répondre à notre questionnaire. Mais peut-être qu'à vos yeux, la concertation idéale est celle du ministre de l'époque qui a décidé seul, dans son coin, de se lancer dans cette aventure. Mesdames, Messieurs, les élus du groupe Rouge et Vert, la gauche ensemble, il semble réellement que nous n'habitons pas sur la même planète et que nous n'ayons pas du tout la même définition du mot concertation et que vous, vous pensiez plutôt dialogue à sens unique. Autre petit problème de mémoire, ou plus simplement d'échange d'informations lorsque vous affirmez qu'il n'y aurait pas de projet éducatif sur la ville. Je suis heureux de vous dire que la ville s'est dotée d'un projet éducatif local mis en place avant 2010 par Madame Pereira Lemaître. Mais peut-être vos amis du groupe, qui étaient alors en commande de la ville, ne vous en ont pas informé. Même remarque quant au budget envisagé par la ville pour ce dossier. Le vote du budget 2014, en décembre 2013, précisait parfaitement, explication à l'appui, qu'une enveloppe a été prévue au budget prévisionnel 2014, dont une partie en pour la rémunération des intervenants. Certes, vous n'étiez pas élu à l'époque, et je vous recommande donc de demander à vos amis ici présents de vous prêter leur dossier du budget. Vous y trouverez toutes les informations. Si vous ne savez pas encore que nous avons annoncé que les activités périscolaires TAP seraient gratuites, c'est que vous n'avez pas assisté à nos multiples réunions. Cela a été dit à plusieurs reprises. L'étude et les centres de loisirs resteront payants, comme cela était le cas avant. Pour l'utilisation des équipements publics municipaux, les services y travaillent, mais avec les aménagements de la réforme datant d'il y a moins de 10 jours, il est difficile de fixer les plannings. Les équipements sportifs et culturels seront bien évidemment utilisés. Je tiens aussi à souligner au passage que le Conseil général occupe nos gymnases pour les collèges, et ce de manière gratuite, et que cela n'est pas toujours facile de libérer ces créneaux horaires. Avec les tergiversations du gouvernement, heureusement que nous n'avions pas figé les choses. Nous serions dans l'obligation de faire, de défaire, puis de refaire, avec nos partenaires et associations des dispositifs complexes, comme sont en train de le réaliser actuellement des villes ayant lancé la réforme en 2013, comme Romainville par exemple, qui n'a pourtant pas changé d'exécutif. Permettez-moi enfin de vous dire que vos critiques infondées sont de surcroît particulièrement blessantes. Et des directeurs qui ne cessent de travailler sur ces questions, avec comme toile de fond des revirements et des modifications incessantes du gouvernement. Vous voulez, on l'aura bien compris, faire porter la responsabilité des difficultés de la mise en application de cette réforme sur le maire et la ville. Avec un décret modifié, voilà, 7 jours, alors que les équipes travaillent d'arrache-pied depuis plus d'un an, vos propos sont tout à fait déplacés, voire indécents. Nous avons présenté les plannings qui ont été entérinés mardi soir par la commission enseignement et qui devront être validés par les conseils d'école. Si cela n'était pas le cas, eh bien, il se passera une chose très simple, parfaitement résumée d'un courrier reçu de M. le directeur académique le 12 mai dernier. Je le cite. « En l'absence de consensus, voire de proposition, je serai amené à arrêter l'organisation du temps scolaire. Conformément à ce que j'ai fait savoir à plusieurs reprises, je me propose alors de retirer 45 minutes de classe à l'issue de chacun des 4 après-midi afin de composer une matinée de 3 heures le mercredi matin. » J'ai été long comme vous l'avez été, mais il n'est pas possible de laisser dire des choses comme vous les dites, travesties et niques la tête. Cette réforme est la vôtre, car celle de vos amis du PS. Vous la critiquez et la combattez, mais de grâce, n'en imputez pas la responsabilité à la mairie, à nos élus et à nos équipes.